Salut à tous, c'est Hearst. Donc on se retrouve, suite à la trouvaille du biome. En fait, je savais déjà à peu près où il se situait, mais juste en coordonnées. Donc la trouvaille, la découverte du biome avec Miss. Juste après cet épisode, Miss a donc décidé de construire une petite safe house que nous pouvons voir ici. Mon PC fait énormément de bruit, c'est horrible, j'espère que vous l'entendrez pas. Voilà. C'est juste une petite safe house, c'est temporaire. Vous voyez que là-bas, nous avons commencé à construire une autre maison. Mais ça, on reviendra plus tard sur un autre épisode. J'ai essayé de tuer cet Under-Eye, mais il m'a plutôt pris comme cible. Là, je fais un petit peu le tour du terrain. Vous avez peut-être remarqué que le terrain un peu changé et je vous propose de voir plusieurs screens déjà en fondu et des petits timelapses dont un petit timelapse où je récolte tout simplement de la paquet d'ice parce que je pense rajouter quelques pics même si c'est pas un biome ice pack ici, rajouter quelques petits pics que je ferai moi-même dépendant du fait que comment on va terraformer dans le biome Ice Spikes aussi. Voilà, c'est possible que faudra que je refasse des Ice Spikes. Donc, je vous laisse tout simplement avec quelques screens où vous verrez un peu l'évolution et quelques timelapses accompagnés de musique. Thank you.
side only. Each home throughout the English-speaking world should be a brightly lighted island of happiness and peace. Let the children have their night of fun and laughter. Let the gifts of Father Christmas delight their play. Let us, grown-ups, share to the full in their unstinted pleasures. Before we turn again to the stern task and formidable year that lie before us, resolve that by our sacrifice and daring, these same children shall not be robbed of their inheritance or denied their right to live in a free and decent world. And so, in God's mercy, a happy Christmas to you all. Someone once told me I'm not the only one who's not holy. Someone once told me life's never easy. I still got love for you. Hear me calling.
got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I keep calling you my lover, then move on. You watch me beat until I can't breathe, shrinking, falling onto my knees. Another arm without your kisses. I'm in need of stitches, dripping over myself, thinking back at you to come help. Another arm without your kisses. I'm in need of stitches. Et puis on se retrouve, donc vous pouvez un petit peu voir que ça a changé, voilà, nous avons même fini de construire une des premières maisons voilà, nordiques. Alors voilà, le terraforming de la plaine est à peu près bien avancé, donc sachez qu'il y a une partie qui va continuer dans le biome de glace. Le terraforming va aussi continuer en arrière, mais ça c'était surtout, j'attendais de finir le terraforming pour faire ce trou là-bas, et où c'est écrit Trudheim, donc, en fait, en gros, voilà, en gros, si je descends de ma tour, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. De ce genre de tunnel qui n'est en aucun cas décoré, et on le décorera je pense bientôt. Bon, il y a du people ici malheureusement. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui m'ont spoté. Si j'ai une araignée qui m'a spoté. Voilà. Donc ici on rentre dans une genre de grotte. Et ici nous avons un géant portail du Nether. Voilà. Qui est assez grand. Et ça nous permet de rentrer dans le Nether.